Ah mais moi j'ai pas tes bras, moi j'ai pas tes bras. Salut, je m'appelle Maëlys, je déménage et je suis contente. Tu marches, on a l'impression qu'il casse le sol. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mon déménagement. Donc ça y est, je prends la route, je déménage. Donc là nous sommes samedi 20 juin. On est chez ses grands-parents dans le Var, donc on est parti hier soir de chez moi. On a fait une heure de route pour venir ici. Et aujourd'hui on décolle du Var et puis on monte direction l'Auvergne. Donc on va partir vers 13h, on a 6 heures de route, un peu plus de 6 heures. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup plus vu qu'on va s'arrêter. Mais du coup, voilà, c'est le grand jour. Hier, déjà, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté ma maison. Il n'y a plus rien chez moi. Enfin, toutes les affaires sont dans les voitures. Il n'y a plus rien dans ma chambre, donc ça fait vraiment bizarre. J'ai juste laissé mes animaux. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai pris un billet de train pour redescendre le 28. Je vais descendre en train et je remonterai après avec mon père pour remonter tous mes animaux. Donc, 10 jours sans eux, ça va être quelque chose. Déjà, hier, ça me faisait un gros pincement au cœur de les laisser. Mais bon, c'est pour mieux les retrouver. Donc, voilà, on va déjà tout préparer pendant 10 jours. Là on va préparer l'enclos de Sacha et Chance, on va tout préparer, on va continuer à faire des visites et enfin voilà, on a plein de petits trucs sympas de prévus, donc j'ai hâte que tout le monde monte et que ce soit vraiment fini une bonne fois pour toutes et qu'on trouve notre petite maison et qu'on soit bien quoi. Donc voilà, aujourd'hui ça va être le trajet, donc je vais vous embarquer avec moi, je sais pas ce que ça va donner. Déjà on a deux voitures, donc Julien la sienne, moi j'ai la mienne parce que je laisse la mienne en haut. Moi j'ai une petite pépette donc elle va avoir un peu de mal sur l'autoroute, mais ça va, on fait le trajet au téléphone avec Julien, donc on se dit attends-moi, tu vas trop vite, ma voiture elle a du mal, je suis à fond le plancher, enfin bref. Du coup voilà, ça va être corsé la route, mais c'est pas grave, faut bien le faire de toute façon, donc voilà, aujourd'hui ça sera le trajet. Et je vous embarque avec moi. Pour combien de temps, je sais pas. Pour combien de jours, je sais pas. Mais je vous embarque avec moi. T'es pas obligé de tout casser, hein. Putain, il est midi, ouais. Il y a plus de temps à perdre. Il est midi ? Midi pile ? On se taille. Midi 3. Qu'on mange et qu'on s'en aille. Faut qu'on prenne la route à 13h. Ce qui nous ferait arriver à... T'es sérieux, là ? Bon, allez, on va manger. De toute façon, on a préparé toutes les affaires, on a tout plié. Il y a juste à manger et à se tailler. Je vais mettre mes chaussures parce que j'en ai marre de salir mes chaussettes. Et je vous embarque même avec moi quand je mets mes chaussures. C'est pas beau ça? Je suis clairement en pyjama pour ce voyage, mais c'est pas grave. Il n'y a personne qui le sait, hein. Bon bah ciao ciao. Ouais, t'inquiète. Ciao ciao. Bon allez, c'est parti mon bébé, hein. Eh ouais, mon premier grand trajet, ça prépare la TV, ça tout. Ouais, j'ai tout. Going insane, got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh, no way. Bon alors là on vient de s'arrêter sur la deuxième aire d'autoroute, on s'est arrêté à une première au bout des 2-3 heures de route parce que vraiment voyager dans ma voiture c'est une horreur, j'ai une voiture noire sans clim, sur l'autoroute à 130 c'est juste impossible de rouler la fenêtre ouverte, du coup j'ai chaud, je suis assoiffée, je déteste la position de toujours conduire pareil, genre avec le pied à peine sur l'accélérateur, on change pas de vitesse, on fait rien, enfin vraiment c'est horrible, ça donne mal au dos, enfin c'est la première fois que j'ai fait autant d'heures de route et ben je n'aime pas, c'est sûr, certain, je n'aime pas. Là il nous reste à peu près 2 heures de route, du coup on s'est arrêté parce qu'on a plus de batterie sur les téléphones et qu'on s'appelle en fait, on est en appel tout le long de la route pour se garder en vie, on va dire. Du coup là on s'est arrêté pour changer les fils, pour tout charger parce que sur l'autoroute c'est quand même dangereux. Et puis comme ça on fait une petite pause. Là on a dépassé Lyon, donc ouais il nous reste à peu près 2 heures de route. Donc là c'est bientôt la fin. Il nous reste combien de kilomètres? Il reste 180 kilomètres. Ça va quand même, non? Bon, en regardant ma vidéo, je viens de voir que j'avais vraiment une sale tronche, mais tant pis, c'est pas grave, j'ai la trace des lunettes et tout. Mais franchement, cette route, c'est un enfer, surtout sans clim et tout, j'ai le dos, il est tout transpirant, enfin, je vous épargne les détails. Mais enfin bref, c'est une horreur. On a le petit Juju qui est là dans sa voiture. Julien! Voilà, donc regardez ma voiture, comment elle est chargée. J'ai tous les fils, j'ai tous les trucs, j'ai mes cartons, j'ai mon globe. Derrière, je vous en parle même pas. Enfin, ouais. Et dans celle de Julien, c'est la même chose. Tu veux le filmer? Non mais regardez la marque que le soleil m'a fait. Écoutez, on va essayer de rattraper tout ça, hein, cet été. Putain.
putain, je suis dégoûtée. Mais je sentais que le soleil y tapait. Ça, ça prouve à quel point il faisait vraiment chaud dans ma voiture. Non, mais franchement, mais... Mais le gauche, ça y a rien. C'est beau quand même. C'est magnifique. Allez, en route, là. On y va? T'as chargé ton tel? On se taille. Putain, mais non, mais ma tête, c'est juste pas possible, en fait. Franchement, les têtes de voyage, c'est vraiment les pires. Bon, du coup, nous sommes bien arrivés. Là, il est 22h35. On est arrivé à 20h, donc on a bien fait 6h30 de route. La route s'est bien passée. Elle s'est bien passée, jusque voilà, c'est quand même fatigant de conduire pendant 6h30. On s'est arrêté 3 fois, 2 fois pour faire 2 petites pauses et 1 fois pour que je fasse le plein d'essence. Ma voiture, franchement, elle a pas ramé. Franchement, hyper étonnée de ma voiture. Il y a des fois quand même, t'as bien moins. Dans certaines montées, elle ramait un petit peu, mais en soi, elle a super bien roulé. T'es le premier à le dire. En plus, elle était chargée et tout. Mais franchement, si on avait roulé en mode un peu plus vénère... Fais pas bouger, il y a ma caméra. On aurait mis 5h30. Et puis voilà, super cool. Enfin, l'ambiance et tout. Franchement, ici, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé. Arrête! J'ai bien aimé parce qu'ici, quand on roule, il y a que des champs. Donc, il y a des champs. À droite, il y a des moutons. À gauche, il y a des vaches. Puis d'un coup, il y a des chevaux. Puis franchement, c'est trop chou. Il y a des vignes, il y a des champs de blé. C'est pas comme chez moi, quoi. Et comme je disais à Julien, je trouve qu'ici, les maisons ont genre leur histoire, leur charme et qu'elles sont toutes différentes parce que chez moi, à Nice, bah, l'architecture, c'est toujours la même. Mais vraiment, je suis trop contente d'être ici. En plus, derrière chez sa mère, il y a un âne. Il y a juste la clôture qui sépare le jardin de chez sa mère et le voisin. Il y a un âne, il est venu me faire coucou et tout. Donc voilà, maintenant, bah, ce que je vais faire, c'est aller prendre une bonne douche parce que bah, j'en rêve de me mettre dans le lit, de dormir et je vous montrerai quelques images bah, de où je suis demain quand il fera beau. Puis demain, on va aller vider les cartons, on va tout commencer un peu à tout ranger, tout ça. Bon, pour l'instant, on est chez ses parents. Hein. Et là, pendant les 10 jours, bah, on va faire des visites. On va s'occuper de préparer l'enclos pour accueillir Sacha et Chance. Enfin, voilà, on va s'occuper de tout ça. Donc, ça va être 10 jours très, 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 très chargés. Mais voilà, pour l'instant, on est chez ses parents jusqu'à ce qu'on trouve notre petit chez nous. Et on a hâte. On a très, très hâte. Donc, voilà les nouvelles. Du coup, bah, pour ce soir, ce sera tout. On se retrouve demain, du coup. Et puis voilà. Donc, je vous dis à demain. Enfin, à dans 3 secondes pour vous, mais à demain pour moi. Premier réveil en Auvergne. Oh, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente d'être ici. Vraiment, je suis trop, trop, trop ravie. Là, il est 9h. Attendez que je vous dise ça. Il est 9h25 et nous sommes dimanche 21 juin. C'est la fête de la musique et la fête des papas. Julien est sous la douche. J'attends qu'il termine. Comme ça, on va prendre le petit déjeuner. Puis on a pas mal de choses de prévues aujourd'hui. Donc ça va être une bonne journée. Là, on va aller chez son papa pour vider les voitures et ranger les cartons un peu de partout. Et cet après-midi, il veut m'emmener dans son étang pour aller pêcher. Arrête, sors de là. Il est tout nu. Arrête ça, Julien. Sors de là. Toi, tu pues le déo. J'ai le pin qui suit là. Allez hop. Là. C'est bien, bien une voiture. Et là derrière. T'es prêt? Ouais. Salut. Bah, tu peux éviter de me filmer le matin, s'il te plaît. Moi je vais voir l'âne, mais il a pas décidé de sortir ce matin. Il est juste derrière. Je vais être chauffé la soirée. Mais il est pas là. Là, il est bien venu. Il fait comme mort. Voilà, c'est quoi ça? C'est la piscine? Tu le refais? T'es un coquin.
maintenant qu'on a débarrassé les cartons, on pêche. Bon, j'espère que cette fois, je vais faire du poisson. Hein. C'est le lac. Bon, en vrai, vous voyez pas grand chose. Mais... Bon, sinon, pour donner des nouvelles, on est allé du coup déposer tous les cartons chez le papa de Julien. Et on est allé voir aussi le pré où on va mettre Sacha et Chance. Donc franchement, il est... Ah, il y a un poisson qui est monté à la surface. Juste devant. Hein? Ouais, et du coup, ouais, il est franchement, la taille, c'est très très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'échanger en fait de pré parce qu'il y a beaucoup de terrain. Et du coup, mardi et mercredi, on va s'occuper de débarrasser tout l'abri. Faut que je fasse une commande de foin. Faudrait qu'il y ait du foin qui arrive dans la semaine. Enfin, que tout soit prêt avant qu'ils arrivent, quoi. Donc on va s'occuper de ça mardi et mercredi. Et tant pis pour les visites, on fera ça la semaine prochaine. De toute façon, le plus important c'est Sacha et Chance, hein, parce qu'ils arrivent très vite. Donc faut qu'on s'occupe de ça très rapidement. Du coup voilà pour les petites nouvelles d'aujourd'hui. Donc maintenant, c'est l'heure de la petite pêche. En espérant que ça pêche. Bon, c'est bon, on peut jeter les cannes ou quoi? Bon, la pêche n'est pas ouf. Non, c'est pas ouf, on pêche pas, il n'y a que dalle. Il fait froid, il commence à faire pas beau là. Je pense qu'on va rentrer, non? J'ai mal au bras. Hein. Ben voilà, on va attendre dans la voiture, très gentiment. Il est 20h12, pour information. J'ai plus qu'1% sur mon téléphone. Ça fait, il est quelle heure? 20h12. Ça fait 42 minutes que ça pêche. Hein. C'est pas très fructueux. Franchement, la pêche, c'est long, les gars. Il y a des orages ou c'est le vent? Oh, regarde le temps qu'il fait chez moi, juste quand je m'en vais, quoi. Soleil, 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 soleil. Fallait bien un accueil digne de l'Auvergne, quoi. Ah, putain, mon téléphone s'est éteint. Et l'appareil photo ne va pas tarder à s'éteindre. Plus de batterie. J'aurais donc pas de fumée avec une carte dans les mains, quoi. C'est con. De toute façon, on n'en fera pas. Bon, et bien, comme il fallait s'en douter, ma batterie a lâché. Donc, j'avais plus de caméra pour la soirée. Au final, à la pêche, on n'a rien pêché non plus. On est resté bien une bonne heure dans la voiture à attendre, mais toujours rien. Du coup, j'ai complètement zappé de finir la vidéo. Donc, c'est pour ça que je le fais maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. Que ce petit vlog un petit peu à la va-vite et à l'arrache vous aura quand même plu et fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!